cinq jeunes musiciens anglais. Ian Paice, batteur. Richie Blackmore, guitariste. Glenn Hughes, bassiste. David Coverdale, chanteur. John Lord, organiste. Ce sont les membres du groupe pop Deep Purple dont la tournée en France a mobilisé un matériel et un personnel particulièrement important. Nous sommes beaucoup de personnes avec Deep Purple. Ce sont, ça dépense environ, toujours environ 20 personnes. Ça dérange entre 15 et 20 tonnes. Bon, beaucoup de notre team sont été des musiciens. Ils sont changés maintenant de faire le mécanicien ou comme ça. Et je crois que tous de nous aiment ce job. Le soir même, 21h50, quelques minutes avant l'entrée en scène, dans la loge de Deep Purple. Aussi célèbre que les Rolling Stones aux États-Unis, Deep Purple joue un rock dur, agressif, entraînant parfois la violence. Il faut savoir laisser l'excitation se créer pour que le concert soit bien, soit amusant, mais il faut savoir la retenir dans ses excès. Enfin, après le départ du groupe, la salle, tel un champ de bataille abandonné.